Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur ce nouveau live Twitch de la Garde de Nuit, l'association francophone des fans du trône de fer et de George R.R. Martin. Je suis Nymphadora, ce soir je suis avec Willa. Bonsoir tout le monde. Et avec Lady Lilou. Bonsoir. Et ce soir, on se retrouve pour parler lecture, puisqu'on a lu ensemble le livre de la nuit de Holly Black. Et on va donc en discuter longuement. Et je vous spoil les smileys qu'on a mis, mais chut, on en reparlera plus tard. Voilà, voilà. D'habitude, on parle de nos recolectures, mais là, on a enchaîné tellement d'émissions des manuscrits de Maître Aemon qu'on n'a pas eu le temps de lire autre chose, donc on n'a aucune reco à vous faire. On va donc directement vous parler de nos prochaines lectures, puisque donc on se retrouve 2 à 3 fois par mois pour parler livres. Donc, parce qu'il faut bien faire quelque chose d'autre en attendant que George R. R. Martin sorte la suite. Donc, qu'est-ce qu'on Alors, lit en prochain, Lilou ? MMA. Donc, on vous donne rendez-vous le 19 novembre pour le livre « Nous » de Christelle Dabos, donc sa nouveauté qui est sortie récemment chez Gallimard Jeunesse. Donc, c'est une fantaisie dystopique, vintage, qui renoue avec ses anciens amours. C'est ce qu'elle nous dit dans le résumé. Vous aurez en compagnie, pour ce livre, Yoda Shrody John, si je ne dis pas de bêtises. Je crois que c'est ça, ouais. Et ensuite, le 26 novembre, on vous donne rendez-vous pour un live très spécial en collaboration avec Tolkien Deal pour parler du Seigneur des Anneaux avec Nympha et Willa présente, Yun Yun et Eka, donc des gens qui viennent directement de Tolkien Deal pour collaborer avec nous. Et pour le coup, on va pas vous faire l'affront de vous raconter le Seigneur des Anneaux. Non. Petite œuvre confidentielle. Mais peut-être qu'on a des avis un peu controversés sur le sujet. Peut-être. Peut-être qu'il y aura débat. Peut-être qu'on va mettre Tolkien Deal en PLS. Venez nombreux. Venez nombreux. Divertissant. Sortez le popcorn. Sortez le popcorn. Voilà. On ne vous dit que ça. Voilà, on nous dit dans le chat qu'on prépare le pop-corn. C'est bien, allez-y, vraiment. Ça va. C'est gentil, le pop-corn. Éventuellement, vous aurez peut-être envie de le balancer à votre écran tellement vous allez nous haïr. Ou pas. Non, c'est pas vrai. Willa et moi, on est toujours gentils. Yun Yun, parfois, il est un peu moins gentil, mais on ne dira rien. Il y aura peut-être des citations cultes, on ne sait pas. Suspense. Voilà. Venez voir. Bon, mais avant ça, du coup, ce soir, on parle du Livre de la Nuit, qui est un roman de Holly Black, qui est publié chez De Saxus en France. Oui, là, ça raconte quoi ? Alors, qu'est-ce que ça raconte ? Alors, dans le Livre de la Nuit, on va suivre Charlie Hall, qui est l'héroïne, qui est une jeune femme qui a l'habitude de tremper dans des affaires louches, pour le résumer comme ça. Ça se situe dans le Massachusetts, voilà, dans une petite ville du Massachusetts, et je le répète en plus, et en fait c'est dans le monde, notre monde tel qu'on le connaît, à une différence près, il y a un type de magie qui s'est développé et qui repose sur le contrôle des ombres. Donc il y a différentes catégories de magiciens qui ont des ombres éveillées, qui sont capables de les contrôler, et de nombreux enjeux de pouvoir reposent là-dessus. Donc au début du roman, on découvre Charlie qui a décidé de se retirer un peu des embrouilles, parce qu'elle travaillait notamment pour les crépusculiens qui sont ces magiciens. Sauf que par un concours de circonstances, elle va se trouver replongée dedans quand elle se retrouve mêlée au trafic lié à un livre très important qui s'appelle donc le Livre de la Nuit et qui recèle des secrets qui seraient... majeur pour les gens qui pratiquent la magie des ombres. Je pense que ça résume à peu près, on ne peut pas trop en révéler pour l'instant. Donc voilà, c'est... c'est assez classique après le héros qui est mis en avant pour ses talents de voleur, etc.
Donc voilà, avec cette particularité donc de la magie qui repose, c'est le seul type de magie donc qui repose vraiment sur le contrôle des ombres et qui était assez cool d'ailleurs. Voilà, sans en dire trop pour l'instant. Je sais pas si vous avez des choses à ajouter. C'est très bien résumé. Ouais. Je trouve. Tout à fait. Et alors du coup, on a aimé Lilou. Oui. Oui. Alors moi, c'est pas un coup de cœur, mais j'ai vraiment apprécié. Alors j'aime bien comment Holly Black, elle nous plonge à chaque fois dans ses univers. Je trouve qu'elle a le souci du détail qui fait qu'on se plonge vraiment dans son monde, dans son histoire. J'ai vraiment tout vu dans les moindres détails. J'ai trouvé, donc sans trop en dire, j'ai trouvé notre héroïne assez attachante pour le coup. Parce qu'on apprend qui elle est et pourquoi elle est devenue comme ça, avec l'alternance des chapitres. Parfois, on revient dans son passé. Ça m'a permis de vraiment de m'attacher et de la découvrir telle qu'elle est. Et aussi, le principe de la magie des ombres. Vraiment, ça m'a fait penser un peu à Peter Pan. J'ai trouvé ça vraiment très ingénieux d'utiliser ça en termes de magie. Donc, voilà. J'en dis pas plus parce qu'après, j'ai peur de spoiler. Mais en tout cas, j'ai vraiment apprécié ma lecture. C'était un très bon moment. Et toi, Willa ? Et vous ? Moi, je suis plus partagée. Alors, je peux pas dire que j'ai pas aimé et encore moins le détester. Comme Lilou, j'ai trouvé qu'il y avait des choses très chouettes, notamment la magie des ombres. Ça, j'ai trouvé ça très cool et assez bien développé. La galerie de personnages est plutôt chouette aussi, même l'histoire en elle-même. Ça va plus être des choses en rapport avec le style, ou avec le rythme, ou avec quelques événements qui m'ont semblé peut-être un peu faciles. Et je trouve où ça partait parfois du principe que les choses avaient été assez développées, alors qu'à mon goût, elles auraient pu l'être plus. Voilà. Après, ça reste une lecture qui est sympa et divertissante. Et voilà. Mais juste des petits détails qui m'ont gêné pour que je mette un smiley souriant. Et toi, Nympha ? Ben moi, je vais mettre le même smiley que toi. Donc, du coup, le smiley qui sourit pas totalement, mais qui est pas non plus mécontent. J'ai pas détesté. Hein. J'ai passé un bon moment de lecture. En plus, c'était Halloween et c'était parfait pour Halloween. Franchement, niveau ambiance, on est quand même vraiment, vraiment dans un pur livre d'automne. Ça marche super bien. Mais j'ai été un peu... moi, c'est l'héroïne, en fait, que j'ai trouvé très banale, en fait, d'une certaine manière. En fait, j'ai l'impression qu'on essaye de nous faire avaler à quel point elle est cool, à quel point elle est sombre, machin. Et en fait, j'ai trouvé que c'était trop et que, au final, elle n'aurait pas son temps à se poser des questions. Enfin, je l'ai trouvé... j'ai trouvé qu'on essayait tellement d'en faire une héroïne badass et sombre avec la moralité un peu grise. Et, moi, j'ai pas acheté le truc, quoi. Donc j'ai trouvé ça un peu dommage. Et du coup, ça a quand même... fait que j'étais pas à fond dans ma lecture en termes de rythme. C'était perfectible. Et en plus, j'ai lu des livres du même genre qui sont quand même nettement meilleurs. Typiquement, ça m'a fait beaucoup, beaucoup penser à Hellbent. Je pense que j'ai eu le même problème que toi. Donc, ouais. Parce qu'on l'a lu toutes les deux, ouais. De Libère Dugo. Et c'est un peu le même type d'héroïne, sauf que l'héroïne de Libère Dugo est plus réussie, je trouve. C'est ça. Ok, mais moi, je ne l'ai pas lu encore. Je pense que ça peut jouer. Je n'ai pas eu ce problème. Ouais, c'est ça, Ninth House et Hellbent, c'est mieux. Je vais jouer sur ma perception, parce que même physiquement, elles ont un peu des traits communs. Et c'est-à-dire qu'en fait, contrairement à ce livre-là, il se passe vraiment des trucs très choquants. Et il y a vraiment une espèce de colère qui en ressort, mais qui est légitime. Alors que là, t'as un peu la nana badass en colère, Enfin, alors si, bien sûr, elle a des raisons d'être en colère, machin. Mais enfin, j'ai trouvé que c'était un côté, ça avait un côté trop fabriqué et trop, ça manquait, ça. En fait, c'est ça. J'ai trouvé que c'était
c'était un peu un copier-coller d'autres livres où on essayait de refaire une formule et où ça manquait du coup de... alors pas d'honnêteté, mais d'authenticité, voilà. C'est ça, c'était pas... Moi, j'ai un peu le même problème que toi. C'est-à-dire qu'en plus, elle y allait pas franchement. C'est-à-dire, après, bon, Libardugo, moi, je trouve qu'elle est bonne, de toute façon, pour décrire des persos avec des traumas. Ouais, clairement. Exactement. Parce qu'elle a des livres que je lis d'elle, elle a fait à chaque fois et c'est bien fait. Mais ils ont effectivement des vrais traumas, quoi. Enfin, c'est des choses hyper, hyper lourdes qui justifient effectivement leur caractère, etc. Donc là, en fait, elle veut qu'elle ait des traumas, mais en même temps, c'est peut-être pas assez poussé. Non pas que je recherche à tout prix le truc trauma hyper dark et tout ça, mais là, ça l'était peut-être pas assez. Et surtout, ce qui m'a dérangé, en fait, c'est que on n'est pas du tout dans le show don't tell. Là, en fait, on te dit, on te le répète, on te le répète, on te le répète, alors que c'est plus efficace parfois de le montrer. Oui, exactement. Et en fait, il y a souvent les mêmes réflexions du personnage qui répétait à quel point elle fait des mauvais choix, à quel point elle est attirée par ce côté noir, à tel point. Et en fait, peut-être que si ça avait été moins répété de façon lancinante et plus mis en avant juste dans ce qui se produisait, ça m'aurait pas fait le même effet. Après, j'ai pas détesté l'héroïne non plus, mais au début, je l'aimais plutôt. Enfin, je peux pas dire que je l'aime pas, mais ça fait un peu artificiel au bout d'un moment à force de vouloir à tout prix la matraquer en tant que personnage. Voilà, vouloir montrer à tout prix qu'elle était comme ça, mais en le disant plutôt qu'en le montrant, quoi. Oui, mais c'est encore ça, une fois, je pense que ma lecture de Venin Faust et de Helben, ça a influencé aussi avec le personnage d'Alex. Ouais. Où là, on nous montre plus qu'on nous répète. Donc. Oui, dans le même genre, ouais. On a aussi, par exemple, dans Scholomance de Naomi Novik aussi, où Galadriel, qui est aussi qui est aussi le genre d'héroïne forte et badass et en colère. Et en fait, ouais, il y a. Enfin, moi déjà, je suis très très, je suis très râleuse hein, sur ça. Moi, j'aime pas trop les héroïnes badass de base. Genre, si vous me suivez sur la Garde de Nuit, vous savez que Arya, c'est pas ma cam. J'aime pas trop les. Quand on essaye de me forcer les héroïnes badass, il faut vraiment qu'elles soient écrites au cordeau pour que vraiment j'adhère. Et là, bah, du coup, c'est pas que je l'ai pas aimée, parce que bon, elle est sympa. Hein, enfin, et je pense que ce serait même ma pote dans la vraie vie, quoi. Elle est cool. Hein, mais justement, ça pourrait être ma pote dans la vraie vie, et elle est pas assez. Enfin, voilà, je sais pas, il y a un truc qui. Ouais. Mais après, c'est toute la vague, là, il y a une vague anti-héroïne, un peu. Ouais, mais du coup, elle est pas assez anti pour être anti-héroïne. Ouais, ouais. Et parce qu'en fait, c'est ça, c'est qu'on passe notre temps à nous répéter à quel point elle est sombre, à quel point elle prend des mauvaises décisions et elle tourne en boucle. Comme tu dis, c'est vrai qu'elle a tout le temps les mêmes réflexions. Et bon, ben oui, mais enfin bon, en fait, c'est une meuf sympa. Elle n'est pas tant anti-héroïne que ça. Quoi. On la voit pas non plus faire de trucs tellement, tellement atroces et tellement trauma que ça y est, quoi. Mais je pense que clairement, pour le coup, ça dépend de ce que tu as lu avant, parce que effectivement, déjà, tu as lu Scholomance, tu as lu Lili Bardugo, ça joue. Mais la preuve sur nous trois. Ben oui, on a des avis, on a des perceptions différentes. Et c'est intéressant, du coup, parce que moi, pour le coup, le perso a complètement fonctionné. Alors oui, effectivement, on nous répète à longueur de temps que la famille est maudite sur plein de plans, qu'elle est malchanceuse, mais qu'elle y retourne, etc. Mais ça m'a pas vraiment dérangée. Donc, mais ça me donne envie de lire l'autre livre de Libardugo, du coup, pour comparer et avoir un peu... cette chose qui vous a manqué dans Charlie. C'est intéressant. En plus, moi, j'avais des attentes plutôt positives sur Oli Black, parce qu'après, des fois, tu conditionnes un peu ton jugement par rapport à ce que tu as déjà lu de l'auteur ou de l'autrice. Et moi, j'aime plutôt bien Oli Black. Parce que je trouve. Alors, moi, ce que j'avais lu, en plus, c'était complètement young adult ou jeunesse, hein, le prince cruel, là, mais elle se prend pas non plus trop au sérieux, donc ça fait que ça passe, je trouve. Là, c'est peut-être un peu plus le cas sur le personnage principal, mais voilà, ça reste. C'est pas pompeux dans le style, ou c'est pas ce qui fait que c'est une lecture agréable aussi, et que tu peux pas être trop énervé non plus sur les choses qui vont pas, comme tu voudrais que ça aille. Là, pour le personnage principal, par exemple, parce qu'elle est pas non plus. Je saurais pas comment l'expliquer, mais je trouve que c'est quand même un style et des romans qui se prennent pas non plus. Non, généralement, ça se lit bien. Ça se lit hyper bien. Dans l'univers. Ouais.
En plus, c'est pas que c'est mal écrit, hein, c'est juste que le style est très fluide et en fait, il y a une efficacité dans le. En peu de mots, en fait, elle arrive quand même bien à planter les situations et à poser les décors. Et à, même si c'est ce qui peut manquer aussi, peut-être par moment, du coup, dans la caractérisation des personnages et dans les relations entre les personnages aussi. Mais voilà. Ouais, non, mais comme tu disais, Lilou, on est vraiment complètement dedans. En fait, on visualise, on est avec elle et elle a une écriture qui est quand même très efficace et très imagée. On a les odeurs, on a le bruit, on s'y sent et c'est vraiment ça en termes de détails, en termes d'univers. L'univers est quand même très bien construit. Tout marche bien hein, et même l'héroïne en soi, il y a rien qui fait que ça fonctionne pas non plus. C'est peut-être juste une question de micro dosage, mais je peux pas dire que j'ai pas aimé l'héroïne. L'héroïne, elle est cool quoi. C'est vraiment juste un curseur qui moi marche pas bien. Mais typiquement, on a lu des livres. Je pense à Clitemnes qu'on a lu en juin, où là, pour le coup, j'avais détesté l'héroïne. J'avais trouvé que l'héroïne était très mal écrite. Là, c'est pas du tout le cas. Là, je trouve que l'héroïne, elle a rien de détestable. Elle est très cool. C'est juste une question de goût personnel, je pense, et effectivement aussi le fait de passer après Lee Pardugo, qui est quand même. Comme tu dis, en termes d'écriture des personnages, elle est excellente, Lee Pardugo, donc c'est dur de passer derrière aussi, quoi. Je suis tout à fait d'accord quand tu dis que c'est une question de dosage. Je pense vraiment que c'est ça. T'as quelques trucs près. Et d'ailleurs, moi je me dis que j'ai envie. Là, c'est un premier tome dans une saga et je me dis que j'ai envie de lire la suite, tu vois. Parce que peut-être que le curseur sera un tout petit peu bougé et ça peut être très très bien. Et puis même, c'est tellement efficace, j'ai envie de savoir ce qui va se passer dans cet univers, quoi. J'ai envie de savoir ce qui va se passer avec son mec, tout ça, quoi. Ouais, c'est vrai que la fin, on est en mode « Oh ben non !» Ça. On veut savoir ce qui se passe après. Oh bah alors On est quand même à la limite de la romantésie, je sais pas ce que vous en pensez, mais... C'est quand même beaucoup sans... Alors, je sais pas la romantésie, autant. Pas autant, mais... C'est très centré quand même. Alors je sais pas si c'est du spoil ou pas ça, parce que je sais pas quel est le résumé officiel du. Donc j'en parlerai peut-être plus tard, parce que je sais pas si c'est du spoil ou pas de dire qu'on est à la limite de. Enfin, on n'est pas à la limite, mais. Ah, je sais pas si je peux le dire du coup. Bon, je le dirai plus tard, parce que je sais pas que ce soit du spoil. Je l'ai lu sur Liseuse, donc j'ai pas le quatrième de couverture pour savoir si c'est du spoil ou pas. Je vais dire si vous parlez de ça. Après moi j'ai pas, enfin en tout cas j'ai pas l'impression qu'on est quand même vraiment dans la gamme romantésie. Non, c'est pas. Après je pense que je suis influencée par mes lectures précédentes. On en parle pas du tout. D'accord. Il y a pas du tout cette mention-là dans le résumé. Non. Mais bon, du coup tu as spoilé le fait qu'il y avait une romance. Bon, ça va, c'est quand même le genre de livre. Tu t'en doutes un peu. Avec son mec. Voilà. En plus j'ai parlé de son mec. Donc voilà, non mais ça j'en reparlerai plus tard du coup. On reparlera de la romance plus tard. Par mes précédentes lectures qui étaient clairement de la romance, enfin, qui était clairement. La romantaisie était quand même. Oui, le prince cruel. Oui, le prince cruel, ouais, c'est quand même de la romantaisie. Voilà. Ça pour le coup. Oui, donc, complètement. Mais non, je reviendrai plus tard là-dessus. Non, mais il y a cet univers un peu là. Alors je sais pas parce que je suis très mauvaise pour donner des catégories, mais on est presque dans. Non, ça ira pas. Presque dans l'urban fantasy quoi, parce que. La ville, quand même, et ses rouages et les relations entre les personnes au sein de cette ville est assez importante aussi. Ouais, moi je mettrais plutôt ça aussi dans de l'urban fantasy aussi. Alors je sais pas à quel point c'est classifié officiellement en urban, mais moi je vois ça comme de l'urban fantasy. Il y a un petit côté là-dedans. Tu t'imaginerais bien voir des vampires aussi, des loups-garous, c'est vraiment ce genre de vibe. De villes sombres avec des gens à la moralité très douteuse, des intrigues un peu, c'est ça, un peu voilà, un peu Gotham City. T'as des gens très riches et très méchants, Des gens, tous les paumés avec les barmiteux, tu vois, enfin, c'est ça, les barmiteux, de l'alcool à foison, Les comment sont traitées les ombres en tant que telles, quand elles sont pas rattachées et tout, ça fait vraiment comme des vampires, parce que comment les nourrir, etc. J'avoue que ça fonctionne plutôt bien.
Donc ouais, c'était vraiment bien. Mais les ombres, c'était vraiment très très cool. Moi, c'était hyper bien. Ouais. Ah ouais, j'ai adoré. C'est très intelligent de sa part. Ouais, et puis c'était hyper spécifique en plus. Enfin, du coup, c'est très spécifique de vraiment. C'est que la magie des ombres est très bien jouée, ouais. Ouais. Et puis ça nous parle forcément parce que on a tous petits eu peur des ombres dans le noir, par la fenêtre, les arbres et tout. Notre imagination, ça matche vachement bien. C'est super. Et puis le fait qu'on puisse les tailler dans la forme qu'on veut. Ouais. Enfin, vraiment, c'était trop cool. Ouais, ça va être quelque chose de très primaire. Et tu parlais de Peter Pan aussi, c'est vrai qu'il y a ce côté-là. Ah ouais. Complètement l'importance de l'ombre. Quel rôle ça joue ça dans l'humanité aussi, en fait. Ouais, en tant que tel, quoi. Et c'est vrai que j'ai revu la scène de Peter Pan avec son ombre et qui cherche partout. Ça... Ouais. J'aime beaucoup ce qu'elle a fait avec cette magie, cet univers. Ouais, c'est très malin et en plus, ouais, c'est hyper cohérent et tu le rattaches complètement aussi au réel. Enfin, on est dans un univers de fantasy, mais on est vraiment dans un univers de fantasy dans lequel tu te projettes facilement et mine de rien, il y a aussi un vrai propos derrière. Enfin, c'est pas juste un prétexte et c'est pas juste une petite lecture comme ça mignonnette. Il y a quand même des choses qui sont dénoncées. Il y a quand même des choses pour le coup vraiment sombres. Ça marche bien. Oui, quoi. C'est bien pensé. Quoi. Un réel business. Ouais. Des riches qui peuvent se permettre certaines choses. Des services, ça crée vraiment comme le dark web des emplois, l'économie autour de ça. Et c'est les riches qui en bénéficient aussi parce que ils veulent, parce qu'ils n'ont pas pu le faire avec leur ombre à eux. Et j'ai trouvé ça vraiment très intéressant cet aspect-là des pauvres, des riches et des conséquences aussi sociales. Si on n'a pas d'ombre, si on en a une, si c'est éveillé ou pas. Oui, parce qu'il y a il y a ce côté enquête aussi finalement. T'as presque ce côté roman noir social aussi. Ouais, c'est ça. Avec le personnage qui vient d'un milieu social modeste, qui se retrouve à côtoyer des puissants et qui traîne dans des affaires louches aussi, parce que son parcours l'a amené là. Et donc il faut un peu les rouages aussi, les derrière et les côtés pas très clean de tous ces business-là. Oui, ça, c'est totalement du... Ouais, en fait, le roman noir, ça marche très très bien comme description. Il y a vraiment cette vibe-là du détective qui va dans des backrooms crasseuses. T'as des boîtes sordides. T'as des politiciens corrompus. Les vieux ripoux, tu vois. Ouais, ça marche très très bien. Vraiment... Et puis l'héroïne sur le retour qui retombe dans ses travers, quoi. C'est exactement comme... L'ancien flic alcoolique. Mais tellement qui remet le collier. C'est ouais, c'est une façon de remoderniser le truc et d'y mettre aussi quand même quelque chose de très actuel. Parce que bon, Charlie, c'est quand même aussi une fille de son temps. C'est aussi... Et j'ai aussi aimé que Charlie soit une fille qui n'a pas des formes de mannequin et qui n'est pas... Oui. Et c'est au final, c'est hyper rare. Des héroïnes qui sont décrites comme plutôt, enfin qui sont déjà décrites comme très bien dans leur peau, qui sont décrites comme comme belles et rondes. Enfin, il y en a pas tant que ça qui sont. Mais moi, j'en ai deux en tête. Enfin, c'est pas pour toujours ramener Libard Hugo sur le tapis. J'ai pas d'action à Libard Hugo contemporaine. C'est ça. Mais il y a. Nina dans Six of Crows. Ah, elle est trop bien. Nina. J'adore Nina. J'aime tous les personnages de Six of Crows. On va tous les adopter. Et je ne dis pas les problèmes après, par contre. Mais... Et Alex. Tu vois, Charlie, je fais le truc avec Alex, tu vois, de Ninth House. Oui, de Dime Pass, ouais. En plus, pareil, les prénoms masculins, féminins, là, Charlie, Alex, ça y est, je me suis embrouillée. Et en fait, oui, c'est là parce que j'essaie de réfléchir en même temps et j'ai ces deux personnages en tête, quoi. Oui. Sinon, c'est l'héroïne complexée. Ça, de temps en temps, t'en as dans les romances la fille qui est complexée, qui est un peu grassouillette, machin, puis finalement elle va trouver l'amour et finalement elle finit par se trouver belle. Enfin, bon, c'est pas. Enfin, là, on est très très loin de ça et c'est une fille qui est hyper bien dans sa peau et qui s'assume et qui est séduisante et qui séduit. Et voilà, c'est cool. Ouais, c'était chouette ça. Tu t'en vas et puis tu tombes pas dans le cliché
Je ne suis pas belle, mais en fait, si tout le monde voit qu'elle est très belle. Je suis quelconque, mais non, pas du tout. Je suis quelconque, mais je fais 1m70, je fais 40 kilos toute mouillée, j'ai des immenses yeux verts et des longs cheveux bruns. Je me contemplais un instant dans le miroir avant de sortir de chez moi. Mes grands yeux verts humides me renvoyèrent un regard étonné. Et tous les crépusculiens de la ville sont amoureux de moi, mais je ne comprends pas pourquoi. Non, on n'a pas ça. Non, c'est pas Bella de Twilight. Ah non, voilà. D'ailleurs. Tu n'es pas comme les autres filles. Et d'ailleurs, il y a, enfin, il y a une vraie sororité là, littéralement, puisqu'elle a sa sœur. Ouais. Mais il y a justement, enfin, c'est, il n'y a pas de relation toxique entre meufs et tout machin. C'est pas, je suis pas différente des autres nanas. Alors il y a une autre nana qui est un peu relou, mais. Oui. Mais c'est pas. Qui elle-même est dans une situation un peu pourrie, quoi. Voilà. Ouais. Non, c'est vrai que j'ai bien aimé aussi la relation qu'elle avait avec sa sœur, parce que ouais. Elle aurait très bien pu en faire une relation toxique pour plein de raisons. Mm. Et pourtant, elles se portent toutes les deux jusqu'au bout, malgré tous les événements qui leur arrivent. Ça, ouais. C'était chouette. C'est pas forcément fréquent aussi les relations entre sœurs comme ça dans les. Dans les bouquins, ouais, avec la plus grande qui essaie de prendre plus soin de la plus petite. Ou Carrément. Tu l'as plus avec les personnages masculins, à la limite, avec le grand frère, tu vois, qui va vouloir protéger, machin. Et donc ça, c'était cool aussi. Et la sœur, elle est chouette aussi. Ouais, je pense que... J'ai bien aimé le personnage. Pour moi, c'est mon personnage préféré. C'est toujours l'une de nos items. J'anticipe sur l'item personnage préféré, mais moi, c'est vraiment sa sœur. J'ai adoré sa sœur. Moi, j'étais vraiment. Moi, tu vois, je pense que ça m'a vraiment perturbé en fait de faire le parallèle avec Ninfaus, parce que la sœur m'a un peu fait penser à Dose. Je sais pas si tu te rappelles ce personnage. Oui, la nana qui est toujours dans la. Ouais, ouais. Elle était trop cool aussi. Un peu introverte, hyper érudite, que j'adore aussi, et ça m'a fait penser aussi. Ça m'a troublée, je pense. Ah ouais, un peu, c'est vrai. C'est vrai qu'elle a un peu cette même vibe. Moi qui oublie toujours tout ce que je lis, pourtant, ça m'a perturbée. Oui, non, mais ouais, les persos étaient sympas. Il y en avait qui étaient assez rigolos. Qui étaient un peu plus archétypaux aussi, mais qui étaient rigolos. Moi, j'ai bien aimé la vieille patronne de la boîte aussi. Ah, mais oui. Ah, ouais. Trop rigolote, elle. Elle est trop bien. C'est clair. Mais il y a un côté très cinématographique. Hein. Ça passerait. On lit de plus en plus souvent ça, j'ai l'impression, quand on fait des Twitch, mais ça passerait bien à l'écran. Hein. Mais tellement. En vrai. Ouais. Parce que moi, je la vois, Odette, je la vois dans son petit bar. Mais ça, mais tu fais une espèce de mini-série trois épisodes par trois épisodes, hop, là, en anticipant sur la suite. Et, ouais, je pense que ça marcherait bien. Ça marcherait très très bien, ouais. C'est le petit côté un peu noir et tout. Puis visuellement, ça pourrait faire un truc très cool avec les ombres. Oui. C'est quand même des scènes qui sont très classe. Hein. C'est très visuel. Enfin, je vous rejoins sur le fait que c'est très visuel, en fait. Tout ce côté... Il a quand même beaucoup de qualité, hein, ce bouquin. Oui. Mine de rien. Alors moi, par contre, je suis toujours à la ramasse. Je pense que j'avais dû le voir à un moment que c'était un tome 1. Parce que quand j'ai fini, je me suis dit... Ah, mais est-ce que ce n'était pas un tome 1 ? Ce n'est pas un one shot. Et en plus, je vois pas, c'est sur le côté qui a marqué. Parce que. Pourquoi je me rapproche de la caméra, c'est absurde. Mais je vois pas sur la couve. Ah, mais il est très beau en plus. C'est pas ici. Attends, parce que je l'ai en physique, moi. Mais. Ouais, t'as une belle version, non ? La même version que la version qui est en photo ? Ah, ouais, il est super. Oui. C'est juste qu'il y a le petit bidule, je sais jamais comment ça s'appelle. Moi, je l'ai comme ça aussi, mais j'ai la version en anglais avec un jaspage et tout, machin. Et pareil, j'ai une... Ah, il est beau aussi, le tien. Okay. Hop. Et derrière, il y a une citation. Oh, moi, je vais pas exhiber ma liseuse, okay. Moi. Ce serait ridicule. Et du coup, à l'intérieur, j'ai des dessins. Ah, moi, je les ai pas. Oh, trop bien, avec les ombres. Mais je me disais, c'est étonnant pour un de Saxus, il est pas trop scintillant de détails, mais en fait c'est juste que la jaquette dessus est plus sobre.
Ah, il est en train de se faire très très musculeux, cette. Évidemment. Non, alors on est sur les personnages masculins. Ok, là on est quand même vraiment dans les clichés quoi. Il est blond, il est beau, il est masculin. Enfin, bon. Là. Elle préfère ceux qui sont maigres et qui sont bruns. Elle le dit à un moment. Qu'elle avait l'habitude de gringaler, à l'air maladif. Non mais ils sont très beaux, j'en reviens pas quoi. Ouais, les objets nips sont très beaux. Alors ouais. Après, concernant les tomes suivants, j'avoue que je n'ai aucune information. Est-ce que c'est pas prévu c'est marqué quelque part sur la couve? Non, c'est pas marqué, tu disais. Non, j'ai rien du tout. Je sais pas si sur ta version... Du coup, moi non plus. Ah. Alors, j'ai une... Non, c'est pas possible. S'il n'y a pas le côté, on va voir si ça marche et après on ira que c'est une suite. Ah, peut-être. Attendez, je regarde. Je regarde, mais ouais. Non, c'est vrai que sur Booknode, le tome 2 est un peu teasé, n'est rien, mais... Oui, non, c'est quand même pas... C'est pas clair non plus sur mon bouquin. Non, c'est un peu marqué nulle part. Par contre, j'ai une citation de Libard Hugo sur le truc, là, sur quatrième de couverture. Lise, Twitch est pour toi. Elle dit « Dark, strange, thick with mystery and twist. A story so believable in its magic, you'll be keeping one eye on your shadow. Voilà. » Mais je crois qu'elles s'aiment bien, de toute façon, toutes les deux. Je crois qu'elles se baignent un peu dans le même milieu. Bon, après, ça m'étonnerait pas. Vu les similitudes. Puis elles ont l'air... Alors, je suis en train de regarder sur le site officiel de Holly Black. Elle a un espèce de blog. Et elle a répondu justement à une question d'une personne qui demandait s'il y avait une suite. Donc normalement, ça, c'était censé être une duologie, mais elle se demande si elle ne va pas davantage l'explorer. Mm-hmm. Donc pour l'instant, elle ne sait pas. Normalement, 2 tomes, mais peut-être plus. À voir. C'est bien, les duologies. Okay. Les duologies, c'est bien, ouais. Parce que moi, j'aime pas les trilogies. Ouais. En général, les trilogies, t'as le deuxième tome, quand ça n'a pas été bien prévu, ça, c'est mollasson, ça te refait l'histoire du livre 1 en un tout petit peu différent. Mais tu gardes tous les éléments vraiment stylés pour le tome 3, et donc du coup, c'est très mollasson, les tomes 2 en général. Enfin, il faut être un très bon auteur pour réussir un tome 2, je trouve. Alors qu'une duologie, hop, c'est plié, là. Comme ça, t'as pas cette espèce de. C'est pas si fréquent, les duologies, ça fait plaisir, tu vois. Mm. Ouais. On n'est pas en partie pour une saga à lire ce tome. C'est ça ? Qui est chouette aussi. Et t'as pas à attendre jusqu'au tome 1000, hein, Georges ? Ouais. Non, après, c'est pas la même complexité d'écriture non plus que Georges. Hein. On va pas non plus. Non, je pensais que c'est moins long à faire, à mon avis. Ouais. Mais du coup, hâte d'avoir le tome 2. Ouais, bah, c'est comme un gros cliffhanger. Quoi. Oui. Oui, mais en même temps, l'intrigue est vraiment clôturée, t'as quand même vraiment tes éléments un cliffhanger que sur un aspect. Ouais. Mais c'est pour ça que moi je pensais vraiment que ça allait être terminé. Parce que je me disais, oh, il reste tant de pages, là il va avoir le temps de boucler l'intrigue, ma foi. Et soudain, les dernières lignes. Ouais, mais après j'ai peur d'être un peu déçue sur le tome 2. Notamment de ce que tu disais, où tu voyais un peu venir de la romantésie. Mmh. Je serais déçue que ça termine comme ça. Parce que l'intrigue est quand même effectivement résolue. Enfin, l'intrigue principale du roman, moi j'ai le sentiment que c'était résolu. C'est pour ça que je m'attendais pas à la fin. Mmh. Mais oui, du coup, je me dis sur quoi ils vont repartir, tu vois. Vu que l'intrigue principale est terminée. Ouais. Bon, l'univers clairement peut encore être exploré, mais parce que même des choses, des références au passé, à des événements qui s'étaient produits avant dans la ville, etc., finalement trouvent une sorte de résolution. Ça, j'en parlerai dans la partie spoil, mais trouvent une forme de résolution là. Et d'ailleurs, c'est très satisfaisant. Franchement, pour le coup, moi, j'ai beaucoup aimé que tout, tout colle très bien. Quoi. C'est bien pensé. La fin marche très bien. Quoi. C'est tout à fait satisfaisant. T'as pas de fil tiré qui part en l'air. C'est vraiment bien. Mais moi, ça a quand même réussi en plus parce qu'il y a demain, je me disais, oh là là, j'ai peur que ce soit un peu convenu. Enfin, je me disais, oh ça, je le vois arriver gros comme une maison, etc., etc. Et puis finalement, non, j'ai quand même réussi à être un peu surprise sur certaines choses.
et pas juste parce que je n'étais pas assez concentrée, vraiment parce que je pense que c'était bien fait, quoi. Parce que c'est quand même un roman qui repose aussi sur le suspense, les secrets, les rebondissements, et il fait bien son job de ce côté-là, quoi. Ouais. Du coup. Après, du coup, moi, j'ai trouvé que, pour le coup, c'est pour ça que j'ai trouvé un problème de rythme, c'est qu'au final, je trouve que ça piétine énormément pour après tout te mettre d'un coup, avec tous les secrets qui vont ensemble. Ça s'accélère vite, et tu te dis, il y a quand même des moments où elle aurait pu se poser des questions bien avant, et où on aurait pu arriver beaucoup plus vite à certaines conclusions, et où on sent que, ça a été tiré en longueur pour faire un espèce de feu d'artifice final. Enfin, je sais pas, j'ai trouvé qu'il y avait... Au côté du rythme, quoi. C'est ça, il y a des moments où tu te dis, mais qu'est-ce qu'elle fout, là, elle piétine dans son enquête, alors que... t'as l'impression qu'on lui met des obstacles pour pas grand-chose, quoi. Que fait-elle avec toutes ses perruques? Non, mais c'est pour qu'elle soit poussée, en fait, à l'impression... comme elle ne veut pas y retourner, mais en même temps, elle sait qu'elle va y retourner parce que son instinct va la pousser à y retourner. T'as un peu ce côté-là de tergiversation et au final, provoque les événements pour qu'elle arrête de tergiverser. Bon, en tout cas, ça m'a donné envie de prendre des cocktails. Je suis désolée de vous le dire. Carrément. Force d'avoir préparé des trucs au bar. Même si tout n'avait pas l'air très bon, loin de là. Mais... Non, mais elle avait l'air de faire infuser je crois que c'était du gin ou de la vodka dans des trucs et tout. Là, ça n'avait pas l'air mauvais, ces petits alcools arrangés là, dans des, pour après les rajouter dans des cocktails. Je pense que c'était une bonne marmaid. Son truc infusé à la verveine, là, je me suis dit, bien. Oui, le truc a l'air pas mal. Après, le truc qui avait l'air immonde aussi. Ouais, il y avait pas. Mais tu vois, ça, par contre, la relation avec l'alcool, j'ai trouvé que ça avait un côté très artificiel quand même. Vous vraiment regardez comme on est. On est dans un univers sombre d'adultes. On boit de l'alcool. Alors, on se drogue pas quand même, faut pas déconner. Parce que. Ah oui, c'est vrai. Parce que quand même, on est quand même un livre qu'on veut être lu et qu'il faut. On y sombre, mais pas à ce point-là. Mais alors, par contre. C'est pas une histoire d'éditeur aussi, à la limite. Je sais pas chez qui c'est publié. C'est Del Rey. Mais Del Rey, je crois que c'est en Angleterre. Donc ça doit être Thor aux États-Unis. Je sais pas. Ce qui est, je sais pas. Alors que dans le Libar d'Hugo, il se drogue. Toujours le truc. C'est beaucoup mieux, il se drogue. Non, mais oui, mais c'est vrai, il y a ce côté-là, puis elle boit. Voilà, c'est ça, c'est une héroïne sombre et adulte, regardez comme elle boit. Ok. Donc se boire comme un trou, c'est le truc pour montrer qu'elle est hyper, hyper dark. Dit-elle après avoir dit, on se boira bien des petits cocktails. Oui, mais justement, est-ce qu'on est vraiment dark juste parce qu'on boit des cocktails? Non, non. On peut être alcoolique et pas dark. Non, toi, moi, je serais pas l'enquêter. Je reste. Ou alors, elle boit des shots d'espresso comme des shots d'alcool, ça m'a fait trop mal. Ah oui, aussi, ouais. Elle enchaîne les trois gobelets. Ouais. Trois espresso. Avec le mauvais café de la fac aussi. C'est pas grave, elle le boit quand même parce qu'elle a besoin de café. Elle boit beaucoup de café d'ailleurs. C'est vrai qu'elle boit beaucoup de café, ouais. Bah, elle est adulte, ok, elle est adulte, donc elle boit de l'alcool et elle boit du café. Non, mais là, j'ai trouvé que ça avait un côté tellement forcé. Regardez comme je fais pas de la young adulte, mais je fais des trucs à puissance. Elle enchaîne les conquêtes aussi, neuf. Ouais, c'est vrai qu'elle est. Bah ouais, elle se jette dans les bras du premier venu pour ne pas penser, pour ne pas s'attacher. Mais bon, par contre, on n'a pas trop de détails, hein, faut pas déconner. Non, mais c'est vrai. Ah bah non. C'est clair. Les seuls détails, c'est... Non, il n'y a pas de. Enfin, non. Non, non, on est quand même. Je sais pas, en fait, c'est un petit côté un peu puritain américain, mais. Et on rajoute un peu des éléments croustillants, mais. C'est des éléments croustillants pour la ménagère américaine, quoi. C'est pas. Oui. En fait, ou alors pour la lectrice qui transitionne du young adulte vers un truc un peu plus sombre, mais en vrai, bon, c'est
c'est pas... Avant la neuromance. C'est pas de la dent commence, quoi. C'est ça, c'est pas de la dent commence. Hein. Heureusement, d'ailleurs... Et après, je crois que dans son autre saga, le prince cruel, il n'y a pas non plus ce genre de... Non, ça va. Elle reste très soft. Il y en a un peu, je peux te dire qu'il passe à l'acte, quoi, mais... Oui, mais ça en fait pas des tonnes et... Non, mais c'est très bien aussi. Ouais, voilà, c'est presque rafraîchissant aussi, parce qu'à force de toujours vouloir être dans la surenchère de ce côté-là. Bah, c'est vrai que étant très friande des romantiques, etc., ça tourne beaucoup maintenant autour des scènes explicites. Et des fois, c'est bon. Ok, ils en mettent plusieurs parce qu'il faut en mettre. Quoi. Et du coup, on passe à côté de certains éléments d'univers qui pourraient être exploités et en faire un super livre. Donc là, j'ai apprécié, mine de rien, qu'on survole un peu et qu'on se concentre vraiment sur les enquêtes, les vols, la magie. Ça faisait du bien. Oui, parce que l'équilibre aurait pu être moins subtil. C'est clair. Mm. Justement, quand on pense urban fantasy aussi, les sagas à vampires, il y a eu toute une... Avant la romantasy, il y a eu aussi toute une mode de la beatlit, où pareil, t'étais en mode... bon, c'était de la romantasy, globalement, la beatlit, sauf qu'il y avait des vampires, mais enfin bon, globalement, c'est exactement comme de la romantasy. Globalement, t'avais tes éléments explicites et un univers un peu sombre derrière, mais c'est... Pour moi, c'est vraiment la romantésie, c'est un des héritiers de la beatlib lit aussi. Oui, quoi. Clairement. Carrément. Et là, on est un peu dans ce genre de beatlib très soft, quoi. Enfin, on n'est pas. Oui, puis ça, c'est rafraîchissant aussi. Mm. Ça change un peu, quoi. Je suis d'accord. Ça tourne pas juste autour de ça. Parce que des fois, t'as l'impression qu'il y a une alchimie sexuelle entre les personnages, mais c'est tout, quoi. Oui, alors que là, en plus, l'intérêt. On n'est pas là-dedans. Non, il y a une connexion quand même qui va au-delà de ça, quoi. C'est ça. Il est en plus le mec est quand même vraiment ultra ultra safe, quoi. Genre pas un seul red. Enfin, il a quand même des red flags à la fin. Enfin bon, bref, on en reparlera, mais. Il est tacos. Il fait la cuisine pour tout le monde dans la maison, quand même. Oui. Il fait la lessive, il fait la vaisselle. Il est super. Franchement, il est hyper bien, quoi. Tu t'en veux un comme ça à la maison. Et en plus, tu tombes pas trop dans des tropes, je trouve, non plus de la romance, parce que déjà ils sont déjà ensemble quand le bouquin commence. Oui. Bon après, mais, effectivement. Enfin, du coup, je peux pas trop parler de ça maintenant. J'allais partir un peu dans les tours du spoil là. Mais voilà, on tombe pas trop dans les tropes non plus, j'ai trouvé par rapport à certaines écritures qui sont très très clichés là. Ça allait à peu près, j'ai trouvé. Ouais, non, la relation, elle est crédible, quoi. Tu te dis, tu comprends pourquoi ils sont ensemble. Enfin, tu comprends surtout pourquoi elle est avec lui. Vice versa, tu te poses plus de questions, je dirais. Mais en tout cas, tu comprends ce qu'elle lui trouve. Oui. En plus de ses beaux muscles de beau mec, comme sur le dessin. Non, mais ça, c'est... On arrive à identifier un peu leur vie, leur quotidien, leur colocation. C'est pas toxique, c'est crédible en fait. Mmh. Oui, c'est ça. C'est ce qui rend l'univers sympa aussi. Mmh. Oui, c'est... Mais t'as des gens lambda, quoi. Enfin, des gens lambda. C'est ça. Évidemment que t'as les crépusculiens, etc. Mais t'es comme dans des schémas de gens que tu peux croiser. Dans les relations aussi. Enfin, les potes que tu vois pas souvent ou tu te ramènes aux soirées. Enfin, pareil dans la dynamique de groupe aussi. Enfin, quand c'est pas un spoil. À un moment, ils sont en soirée et tu retrouves des dynamiques, je trouve, que tu peux retrouver, ben, en fait, dans la vie réelle, quoi. Mm. Donc, non, c'était plutôt. Ouais. Ce qui rend l'immersion facile aussi, ben, c'est ce que tu disais à un moment, Lady Lou, c'est que, ouais, c'est assez crédible, quoi. Elle arrive à restituer quand même des choses qui parlent. Peuvent parler à tout le monde. Est-ce qu'on commencerait pas à avoir fait le tour par contre du no spoil? Oui, je crois qu'on peut on peut attaquer les spoils. Hein. Parce que je sais pas ce qu'on pourrait rajouter. Sinon. Non, je pense que c'est le moment d'attaquer le spoil. Et c'est le moment pour nos auditeurs qui ne voudraient pas se spoiler et lire le livre de nous faire un petit coucou.
de ne pas hésiter à revenir nous voir pour, une fois que vous aurez lu le livre, pour voir si vous êtes d'accord avec nous aussi. Et puis, de toute façon, nous suivre sur la garde de nuit, tout ça, quoi. Et se retrouver pour les prochains manuscrits de Mess Raymond, pour plein de discussions lecture. Et nous, on va attaquer le spoil. Et je pense qu'on peut attaquer du coup avec le fameux point romantaisie. Oui, vas-y, Willa. Mais en fait, moi, je... La fin, comment dire ? J'ai trouvé que c'était quand même assez important dans l'ensemble du roman, la relation entre Charlie et Vince, du coup. Mm. Je trouvais que c'était mais après, je pense que j'étais influencée, du coup, par la série sur le prince cruel, où, du coup, c'est de la romantaisie. Et du coup, là, cette notion de couple qui était quand même importante, ça m'y a fait penser. Bon, j'étais influencée, je pense, mais la fin laisse penser qu'effectivement, cet aspect pourrait être encore plus développé dans les bouquins suivants. Là, il y avait un équilibre d'écriture qui faisait que, effectivement, l'univers était assez développé, le côté enquête était assez développé. Même si tout tournait comme autour finalement de la relation entre... Enfin, tout tournait. Il y a beaucoup de résolutions qui reposaient sur la relation entre les deux personnages finalement. C'était lié à pas mal de choses par rapport à l'identité de Vince, etc. Mais c'était assez bien dosé pour que ce soit pas de la romantaisie. Mais je me demande si le dosage est un peu différent dans les prochains tomes, effectivement, si ça peut pas un peu basculer de ce côté-là quand même. Ouais. Bah moi ça me fait peur aussi, parce que vu comment ça se termine... Et les dernières phrases qu'elle lui dit, c'est elle va vouloir le reconquérir, ça a l'air d'être une nouvelle personne. Et j'ai peur que l'intrigue tourne vraiment autour de je dois faire que Vince, enfin le nouveau Vince en tout cas, retombe amoureux de moi. Je sais pas trop ce qu'elle va pouvoir développer. Alors que dans le tome 2, j'aimerais par exemple voir un peu la suite de ce que va donner la cabale et toute l'institution. Et elle, son de job magie. De hiérophante aussi. Ouais, voilà, elle, son nouveau job et tout. Peut-être pour ouvrir l'univers, pour voir d'autres endroits aussi, peut-être. Ouais, voir depuis l'intérieur de la cabale aussi, peut-être. Ça va permettre de voir depuis l'intérieur de la cabale. Le fait qu'elle travaille avec eux, quoi. Ouais, moi, j'ai pas dedans. C'est vrai. Mais moi, j'ai surtout peur aussi pour. J'ai oublié son nom. La sœur, la tante slash sœur slash slash ex de Vince, Adeline, voilà. Elle est pénible et j'ai un poil peur qu'elle vienne que tout tourne autour de sa vengeance et du fait qu'elle veuille récupérer Vince moi j'ai peur qu'elle prenne de l'ampleur et j'ai pas du tout envie parce que tu vois c'est pareil en plus là allez vas-y que je te colle de l'inceste mais je te colle de l'inceste mais pas vraiment ouais c'était lui ou c'était Red parce que du coup on sait pas trop enfin, bon. Bah ça joue un peu sur les deux parce que quand on revient sur une scène du passé où ils sont en soirée là vers la piscine elle dragouille un peu Vince mais en même temps elle demande que ce soit Red. Je n'ai rien compris à ses prénoms. Edmund Carver, qu'on appelle Rémi. Ouais, pareil. Bon. Vince, encore, on sait pourquoi, mais en fait, il s'appelle Edmund et en fait, il l'appelle Rémi. Mais combien de personnes a-t-il de prénoms ? Je sais que les riches ont plein de prénoms. Pourquoi utiliser trois différents ? Ouais, j'ai pas compris non plus. Ouais, pareil. Mais je sais pas, de temps en temps, les Américains, ils ont des surnoms bizarres. Hein, les liens entre leurs prénoms et leurs surnoms, je crois que ça, c'est une différence culturelle qui est au-delà de ce que... Ah, mais en effet, j'avais pas pensé... Non, enfin, je pense que t'as raison. À mon avis, on va revoir Adeline, c'est sûr. Puisqu'elle est partie et qu'on lui a refusé d'être la tutrice, entre guillemets, de Red... Non, c'est pour sûr moi, qu'elle c'est... va vouloir... Pour moi, c'est la méchante du tome 2, quoi. Elle va pourrir la vie de tout... J'espère que ce sera pas la... Enfin, j'ai pas pensé. J'espère que ce sera pas la grosse méchante, quoi. Moi, je me disais peut-être qu'elle va être un peu genre comme Dorine, tu vois, dans le tome 1, qui est là pour faire chier, mais qui est comme assez marginale. Ouais, mais Dorine, elle était fun peut-être aussi. Enfin, moi, j'aimais bien Dorine, en fait.
Ah, puis Dorine, elle a pas une vie facile, quoi. Bah ouais, Dorine, elle a vraiment des... pour le coup, excusez-moi, mais la fille qui a vraiment des choix nuls en matière de mec, c'est pas Jarlit, c'est Dorine. Ouais. Plutôt là, ouais. Donc, je sais pas ce que ça va donner, effectivement. Puis c'était limite inutile son personnage, en fait, hein, concrètement, Adeline, quand même. Bah oui, elle sert à rien. Ouais. Enfin, elle sert pas grand-chose. Hein. Elle apporte oui, rien dans l'histoire. Obéir à son père parce qu'elle sait qu'elle n'a pas le choix. Bon. Ouais, non, moi, du coup... Ça... Pardon. Non, vas-y. J'ai trouvé ça très rigolo, par contre, la façon dont elle parvient à devenir le hiérophante. En déballant tous ses crimes. Alors, j'ai volé ça à machin. Les pages là, qui ont été arrachées, c'était moi. Là, c'était caché dedans, donc j'ai découpé. En mode, c'est bon, je suis assez méchante. Allez. J'ai bien aimé la scène d'infiltration à la fin, quand elle résout l'énigme pour ouvrir le coffre-fort. Ouais, c'était trop bien. Et le moment où après elle met ça, elle met le vieux dans le, enfin qu'elle lui montre que vraiment il s'est planté quoi, en mode oh là là, oh mince, je me suis trompée sur le code du coffre, tu m'as eu. Ah mais non, en fait tu ne m'as pas eu. C'était pas trop cool. C'était si bien. Là c'est le moment où on voit ses compétences, tu vois. Ouais. Ouais. Exactement. Au lieu de dire. Et j'ai trouvé que c'était vraiment un moment qui marchait hyper bien. Enfin, c'était trop cool. Ce... Ouais. Ouais. Le plot twist dans le plot twist du plot twist. Et oui. Moi, j'étais là. Oh. Ouais. C'est vrai que tout s'enchaîne à ce moment. J'étais là. Ah ouais, quand même, là, c'était bien réfléchi. C'était très bien pensé. C'était très cohérent. On t'a mis sur la voie quand même. Donc, c'est pas en mode, oui. Regarde, c'est un plot twist qui sort de nulle part. Mais c'est quand même un plot twist que tu n'as pas vu venir parce que t'as été enfumé comme tout le monde. Et ouais. Je trouve que c'est très, très bien. Après, c'est le point de vue personnage aussi qui se joue un peu de nous, parce qu'elle est là. Ah, elle était en train de perdre son audience. Ça n'allait pas fonctionner. Et toi, tu te dis... Oh. Alors qu'en fait, elle floue le lecteur. Quoi. Le lecteur est floué. Le lecteur est trompé aussi. Carrément. Mais ouais, c'était pas mal, ça. Et son apprentissage aussi, entre guillemets, avec... Rand, comment elle entre dans le métier avec le pote de sa mère là, c'était assez crédible aussi dans le côté, enfin voilà, de rencontre ce gars qui lui fait faire des petites arnaques comme ça dans le dos de sa mère et c'est comme ça qu'elle met un pied dans le milieu et qu'elle se forme aussi. C'était côté univers d'escroc. J'ai bien aimé quoi. Aussi. C'était sympa comment ça a été pensé, le fait qu'elle fasse semblant qu'elle soit possédée, tout ça me fait rire parce que c'est sa sœur, elle a gardé cet aspect-là maintenant pour son taf de tireuse de cartes et je trouve ça vraiment fun. Donc ça fonctionne bien en effet. Le côté famille dysfonctionnelle et tout là, c'était pas mal fait aussi. Et j'ai bien aimé qu'on voit sa mère et qu'on voit que sa mère au final elle aime quand même ses filles. Enfin, tu vois, genre il y a pas non plus une relation toxique mère-fille. Elle fait des erreurs, sa fille fait des erreurs aussi, mais enfin elle est quand même là pour sa fille au moment où ça compte. J'ai aimé leur relation en fait. J'ai trouvé que c'était assez crédible en fait. Il y a à la fois du ressentiment et de l'amour et c'est bien montré. Et pour le coup, c'est pas là aussi, on n'est pas trop dans le show don't tell. On est plus dans une scène entre deux femmes où on comprend leur dynamique. C'est assez subtil, ouais. Sa mère finalement était juste un peu paumée, mais c'était pas une mauvaise personne en soi aussi. Enfin ça, c'était. Ouais. Elle était rattachée aux mauvaises personnes, quoi. Ouais. Ça avait un impact, forcément, sur... Parce que là, ils sont tous rigolos, du coup, avec son nouveau copain dans leur petit motel. Mais oui. Avec le mec et ses cartes magiques. Oui, ça m'a fait beaucoup bien. Mais le prix, ça vaut hyper cher, en plus. Mais oui. Pour vraiment s'acheter une maison. Oui, le fait qu'il y ait une description comme quoi il préfère que ce soit dans un espace bien aéré et tout. J'étais en mode, c'est vraiment ça. C'est ce dont tu parlais, ce genre de petits détails qui fait que ça donne une densité, une épaisseur aussi au personnage, à l'univers. Parce que
elle est dans une économie de mots vraiment, parce qu'il ne faut pas 15 pages pour dire les choses. Mais juste hop, ce petit détail, que son mec, ouais, il collectionne des cartes magiques. Tu sais, elle a pensé à ce genre de petits détails qui définissaient la personne, quoi. Comme à un moment où t'as, je sais plus, Charlie qui est dans le jardin et elle pense au lac, et elle pense que quand elle était gamine, elle s'était promenée, elle a fait une excursion scolaire. Enfin, c'est pareil, c'est des petits détails, mais qui donnent une densité de suite au personnage sans avoir besoin forcément de faire des descriptions hyper longues et hyper développées, quoi. Mais oui, les cartes magiques, ouais, c'est simple, ça plante vraiment le décor. Ouais, du coup, on l'imagine bien, quoi, son nouveau copain. Ouais, non, ça marche très bien. Et du coup, vous avez des scènes préférées, alors ? Moi, ma scène préférée, c'est vraiment la fin, la scène d'infiltration avec le coffre et tout ce qui s'enchaîne sur la fin, qu'on apprend que Vince, en fait, c'est Red. C'est vraiment la fin qui m'a le plus marquée. Ça fait vraiment partie de ma scène préf. Ouais, moi aussi. Enfin, moi, c'est pareil. Ouais. J'essaie de réfléchir s'il y en a d'autres. La bataille de fin, elle est quand même très... Elle est quand même très classe aussi, avec les crépusculiens là, qui déchaînent leur ombre. Il y en a un qui a une épée d'ombre, une autre qui a une porte, un félin. Ça, je trouve ça très classe. Après, la scène où elle se fait attaquer, elle était pas mal aussi. Quand elle se fait attaquer dans le bar. Ah ouais. Mais là aussi, en fait, c'était très visuel. Et pour le coup, c'était très violent aussi. Enfin, à ce moment-là, tu te dis, ah ouais, elle y va quand même. C'est pas genre... elle nous avait habitués à de la pseudo-violence plus Halloween que de la vraie violence. Ouais. Et là, par contre, elle va vraiment jusqu'à la vraie violence. Et t'as un moment de bascule et tu te dis, ah ouais, quand même. Mais l'ombre déchirée de Paul Echo aussi, ça préfigurait ça là, quand elle tombe sur le cadavre du coup du libraire là, en rentrant, et qu'elle décrit du coup l'ombre déchiquetée avec le hiérophante. Alors ça, par contre, moi j'ai pas compris comment on comprenait pas de suite que c'était le hiérophante qui avait fait ça, parce que pour moi c'était clair que c'était lui qui avait déchiqueté le... Moi aussi je me suis jamais trop posé de questions. Alors qu'à la fin c'est genre une révélation qu'il l'a envoyé les tuer. Oui, c'est vrai que ça se comprenait assez facilement. Ouais, et que là, pour l'écho, il n'y avait pas trop de doute. Enfin, pour moi, c'était l'ombre qui l'avait... Enfin, c'était le hiérophante qui l'avait déchiqueté. Ouais, ouais. En termes de scène, je trouvais ça très cool aussi. C'est un petit bout de la scène, finalement, qu'on a toutes bien aimé, qui est la grosse scène de fin, finalement, sur plusieurs pages, mais qu'elle coupe l'ombre de Salt. J'ai trouvé ça très cool aussi. Ouais, carrément. Tu veux que tu meurs, mais je veux pas te tuer. Mais comme tu as volé l'ombre qui. Ça remet encore une fois les ombres avec le côté libre arbitre, finalement, des ombres au centre aussi du. Alors, peut-être que ce sera plus exploré dans le tome 2 aussi, ça. Parce que finalement, ce qui intéresse beaucoup la cabale, c'est de découvrir que les êtres comme Vince peuvent exister, et du coup, est-ce qu'il n'y en a pas d'autres ? C'est une question qui se pose. Mais là, le fait qu'elle coupe l'ombre en se disant, du coup, l'ombre doit le détester. Donc, c'est que tu prêtes comme d'intention et des sentiments aux ombres, et elle va lui régler son compte. Je trouvais ça pas mal aussi. Et dans le même genre, moi j'ai beaucoup aimé le fait qu'elle se coupe sa propre ombre et qu'elle file à sa sœur. Ça, je trouve ça trop bien. C'est trop chaud. Ouais. Je trouvais ça trop bien. Ouais. C'était hyper intelligent de sa part, parce que comme ça, elle pouvait s'infiltrer, faire toute sa scène de fin et pas être comme une marionnette par le mari. Et en plus, elle faisait plaisir à sa sœur, quoi. Ouais. C'est trop bien. Donc, ça. Ouais, c'est trop bien. C'était trop cool. Et moi, j'ai trouvé ça très cool, du coup, parce que suivant ça, qu'en fait, elle ne devienne pas crépusculienne. Ouais. Bon, elle devient hiérophante, mais elle a jamais voulu être crépusculienne. Et c'est le perso principal, et elle n'est pas magicienne dans un univers où les gens valorisés sont ceux qui détiennent la magie. Donc, ça, j'ai trouvé ça très chouette aussi. Qu'on ne tombe pas là-dedans et que sa sœur, elle ait son ombre qu'elle veut depuis un bail, quand même. Clair. Mais. Limite, t'es content pour elle, parce qu'elle a l'air trop contente en plus après sa sœur. Pichoun a passé tout son temps sur les forums à discuter de ça et tout, et elle n'arrive pas à éveiller son nom alors qu'elle s'est carrément fendu la langue en deux et tout. Elle me fait trop mal. Mais il y a même une petite phrase là, quand elle, à la fin, elle a l'ombre et que l'ombre a l'air trop contente aussi, du coup. Mais oui. C'est trop mignon.
Mais ça, c'est vraiment intéressant ce côté libre arbitre des ombres, en fait, qui sont catégorisées comme des problèmes, les furies, alors qu'en définitive, c'est plus complexe que ça. Enfin, peut-être que ce sera ça aussi, finalement, dans la suite, si c'est bien fait. Mais peut-être, ouais, d'autres. Enfin, justement, que trouver des ombres qui se font passer pour des humains normaux, quoi. Sans forcément les détruire systématiquement comme il le faisait jusqu'à présent. Peut-être que justement, en tant que hiérophante, elle essayera d'aider ces ombres tout en naviguant la cabale et en étant censée les éliminer, quoi, un truc comme ça. Puis alors, Vince et elle, c'est quand même le duo qui serait le mieux placé pour faire ça, quoi. Bah ouais. Moi, j'étais un peu déçue qu'il perde sa personnalité, que ça devienne une nouvelle ombre finalement. J'étais en mode. Je comprends, mais c'est un peu dommage parce qu'enfin, elle fait tout pour le récupérer, le sauver et. Ça, c'est un romantisme typique de romantisme. C'est ça, ça j'ai trouvé que c'était vraiment facile, quoi. C'était une facilité de scénario qui était un peu décevante. Il n'y avait pas besoin, en fait. Il pouvait former le duo. Ouais. Mais en plus, ça aurait été plus difficile, justement, je trouve, de développer ça. Ça aurait été plus intéressant parce que ça aurait été plus complexe de se dire ah ben maintenant ils sont collés littéralement l'un avec l'autre et la tête dans les pensées de l'autre. Comment on fait évoluer ça? Je pense que c'était plus un challenge en plus en termes d'écriture, enfin, à mon avis. Mais, Ouais. Ah, j'aurais préféré aussi. Parce qu'elle aurait pour le coup été vraiment vulnérable et lui ouais, aussi. Ça aurait été intéressant. Ouais, puis c'est quelque chose qu'on voit jamais au final. Au final, dans les romances, c'est toujours l'aspect de la conquête qui intéresse et très peu le fait d'être en couple. Et là, on aurait eu du coup le couple un peu ultime, quoi. Enfin, le couple, l'association où tu veux. Et en même temps, y a des moments où tu as envie d'indépendance, tu ne peux pas en avoir. Enfin, ça aurait pu être très intéressant et c'est un truc qu'on voit très peu. Oui, c'est vrai que c'est toujours centré sur la conquête. Même là, au début, ils sont en couple. Donc ça, c'était cool finalement qu'ils soient déjà en couple. Et en fait, il ne le reste pas longtemps et tu reviens surtout sur la rencontre, etc. Plus que sur la relation en elle-même, en définitive. Alors que rappelons-le, il fait la lessive des tacos tout de même. Est-ce que ça n'aurait pas mérité d'être développé? Mais justement, tu vois, c'est ce qu'on, nous, on a toutes préféré du coup manifestement. C'est le fait, c'est les bribes de leur relation et de à quel point c'est un mec pas toxique et hyper positif. Ouais. Donc c'est bien qu'il y a. Parce que c'est une ombre en fait. Voilà. C'est super. On n'aura jamais vraiment le copain gentil, sain, qui fait à manger et la lessive, quoi. C'est une ombre. Mon mari fait à manger et la lessive, hein, excusez-moi, mais ça se trouve quand même. Est-ce que tu as vérifié que c'était pas une ombre? Peut-être, merde. Est-ce que c'est pas celui le doigt sur une bougie pour... Non. Ne faites pas ça chez vous. Non, mais oui, c'est juste que c'est très rare de voir ça. Non, c'est clair. C'est super rare de voir ça dans les livres et ça faisait du bien d'en voir. Donc, c'est vrai que c'est dommage que. C'est pas juste le mec ténébreux, ça aussi. Ouais. Merci d'ailleurs. C'est pas juste le mec ténébreux. Non. Bon, après, non, au final, il y a des secrets, mais. Pas Jojo, mais dans les attitudes, ça. Déjà, mais il a quand même aussi son côté mystérieux et ténébreux, quand même. Bah oui, ça, oui. On n'y échappe pas non plus, quand même. Hein. C'est pas un mec solaire, du tout. Mais il le devient, tu vois. Au début, il l'est pas. Mais en plus, il avait un côté un peu du père, tu vois, au début. C'est parce que un côté un peu paumé, comme ça, parce qu'en plus, il a pas d'ombre. Il l'a recueilli dans un bar, tu vois. Ça fait un peu le chat errant qu'elle a récupéré. Mais d'ailleurs, j'adore le nom de son chat. Lucifer, c'est génial. Lucifer. Ah oui, nous, c'est Lucifer. Ah, en anglais, c'est Lucifer. Mais ça marche mieux, j'adore. Ça marche mieux en anglais, je trouve, que Lucifer. Puis en plus, c'est pas du tout le même. Du coup, un côté il ronronne et un côté il fell, quoi. Ouais, c'est pas tout à fait le même délire. Bon, après, ça fonctionne parce qu'à un moment, elle se fait attaquer.
Oui, il a mort à la jambe, du coup. Alors que, du coup, en anglais, ça ne marche plus. Eh oui. Je n'ai pas compris, d'ailleurs, pourquoi il lui a attaqué la jambe. Je ne sais pas non plus. Je pense que c'est au moment où elle s'engueule avec Vince. Je me suis dit, ah, c'est le chat, c'est le chat qui essaye de lui faire comprendre que, mais il ne faut pas qu'elle s'engueule avec Vince, parce que Vince, c'est un mec bien. Il remplit, il achète les croquettes, peut-être aussi. Peut-être. Genre, non, 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 Vince, ne me quitte pas. Non, je ne veux pas être seule avec vous. Vous allez jamais me nourrir parce que vous êtes trop cruche. Vous arrivez déjà pas à vous nourrir vous-même. Il faut que ce soit lui qui vous nourrisse. C'est pas ça. Et j'ai aimé qu'elle pense aussi. Quand elles sont obligées de partir de chez elles, que sa sœur prenne le temps de prendre le chat. Ouais. Ça, j'ai adoré. Je me suis dit, ah, quand même. Puis elle se balade avec sa petite. Elle se balade avec sa petite. Sa petite boîte à chat. Ça va jusque dans le détail aussi quand elle dit, mais rentre dans tel endroit. Mais si tu n'acceptes pas les animaux de compagnie. Ah oui, du coup. Et après, elle se dit, oh là là, mais si elle se fait virer du magasin parce que le chat fait pipi dans sa caisse. Comme ce niveau de détail réaliste. Tu sais. Carrément. D'ailleurs, c'était traduit animaux familiers. On dit quand même plus animaux de compagnie. Enfin, c'est pas incorrect, animaux familiers. Ouais. On parle pas plus d'animaux de compagnie, quand même. Bah si, oui. Bah si. Si. Parce que moi, ça m'a un peu perturbée. Oui. Non, c'est sur ces petits détails qui sont pas en soi faux, mais qui sont pas très naturels dans le côté trad. Enfin, pour le coup, moi, j'ai dit en anglais. Et bon, en termes de style, alors après, je sais pas non plus une des attentes de ouf en style anglais. Tu vois, quand je dis en anglais, je me pose pas trop la question de à quel point c'est bien écrit ou mal écrit. J'ai quand même pas un niveau d'anglais suffisant pour me dire. Enfin, quand c'est vraiment très mal écrit, je m'en rends compte. Mais si c'est très lyrique, je peux vite être perdue et j'arriverai pas à me rendre compte si c'est lyrique mais artificiel ou lyrique mais et beau. Enfin, j'aurais du mal à mettre le doigt dessus. Ouais. Donc, alors que là, bon, c'est juste simple et efficace, quoi. Oui, c'est vraiment ça se lit très très bien. Ouais, le style est très simple, mais il est pas mauvais pour autant, quoi. Mais du coup, je pense que parfois ces petits trucs de trad ténus, parce qu'il n'y a pas des grosses. J'ai pas eu le sentiment qu'il y avait des grosses bévues non plus de trad, mais rendaient ce style qui est quand même à la base très fluide, un peu moins fluide. Je sais pas si tu as eu cette même impression. Oui, oui, certaines. J'aurais dû les noter. C'est vrai que ça aurait été intéressant d'en discuter par rapport à la trad. Il y a eu certains mots ou certaines expressions, je me suis dit, mais là, en français, ça veut pas forcément dire quelque chose. On voit un peu le sens, mais. On voit que c'est traduit littéralement, quoi, certaines fois. Moi aussi, j'ai eu la même impression, mais effectivement, si on note... Mais là, animaux familiers, ça m'a un peu... Oui, animaux familiers, déjà, ça fait un peu... Voilà, c'est pas un gros truc non plus, mais c'est pas naturel, c'est ça, surtout. C'est pas le plus idiomatique, quoi. En fait, tu vois juste l'anglais à travers le français, quoi. Tu te dis, tu vois que c'est une trad. Moi, c'est le genre de choses qui me sort direct du livre, donc... C'est plus ce genre de petites choses, quoi. Après, sur la structure des phrases et tout, globalement, ça allait, mais... Oui, oui, ça passait bien en VF. Ouais. Mais pour mais le coup, ça... j'essaierai de la lire en VO. Moi, je serais curieuse de lire en VO aussi, ouais, du coup. Franchement, ça, c'est super bien. Moi, dans mon souvenir, ça se lit bien, mais... Mais après, voilà, comme c'est un style très fluide, ce serait un style un peu plus... avec un peu plus de circonvolution, tout ça dans la forme, dans la structure des phrases, peut-être que ça passerait plus inaperçu, ce genre de petites choses, mais là, comme c'est un style qui est quand même très fluide et très... qui est simple, quoi, c'est plus visible quand il y a ce genre de petits... petits détails, je trouve. Bon, on a fait la scène préférée. Alors, vos personnages préférés, vous avez une scène... Ma personnage préférée, je crois qu'on a toutes la même. Hein. Toi aussi, c'est la sœur. La sœur. Bah ouais, moi c'est la sœur. Hein. J'ai bien aimé Posy aussi. Après moi, j'ai toujours, histoire de sortir des personnages des tiroirs, j'ai bien aimé l'étudiant qui fait un mémoire sur les. Le mec de Posy, du coup. Oui, celui qui a priori est son mec après là. J'ai bien aimé lui. Ouais, il est des mimi.
au milieu de la folie. Il tremble plus un peu au milieu de entre les escrocs, les crépusculiens, les riches sadiques et tout ça. Juste l'étudiant qui veut faire sa thèse, tu vois, parce qu'il est à fond sur son sujet. Il a ses petits QCM, ses petites questions pour faire ses échantillons et tout. Je le trouvais chouette, lui. C'est vrai que c'était sympa, comme ça. Ouais. Mais en soi, j'ai bien aimé Red aussi, hein, du coup. Oui, pareil. En vrai, c'était chouette. Charlie aussi, je l'aime beaucoup. Hein. Mais sa sœur, pour le côté un peu plus fun, un peu plus déjanté, de la petite nerd qui passe son temps sur les ordinateurs, à être cartomancienne et à avoir une vie complètement décalée. Moi, je préfère poser aussi à Charlie. Mais je pense que si ça avait été elle l'héroïne, par contre, ça n'aurait pas marché. Enfin, tu vois, je l'aime bien, mais comme sidekick. C'est un très bon sidekick. Oui, oui. Complètement. Mais je pense qu'elle est très, très, très pénible au bout d'un moment, quoi. Si j'avais été dans sa tête, j'en aurais très, très vite marre. Moi, je veux avoir une ombre. Oh là 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 là. Ouais. Alors, t'es en boule comme sur d'autres trucs, quoi. Mais moins dans l'action que le personnage de Charlie, t'as quand même besoin d'un personnage qui soit dans l'action pour que ça avance, quoi. Donc. Mais du coup, j'ai beaucoup aimé le fait que quand Charlie a une ombre qui se réveille, elle lui en veuille pas. Et quand Charlie lui demande, en plus elle lui demande, du coup, elle met quand même les pieds dans le plat et qu'elle lui dise, bah écoute, ça me saoule, mais je t'en veux pas à toi, quoi. Mais ça me saoule. Oui, elle dit que par contre, elle a intérêt d'en faire quelque chose, parce que là, sinon, ça va vraiment la saouler beaucoup plus. Mais ça, j'ai trouvé ça vachement bien. En fait, elles ont une relation hyper saine, toutes les deux. Oui. Malgré, alors que c'était pas gagné, vu le contexte familial et tout, mais... C'est clair. Mais, Mais après, je pense que le copain de Posy, du coup, on risque de le revoir aussi. Parce que lui, il est quand même un peu marginal par rapport à toute cette intrigue, mais de par ses études et ses compétences, à mon avis, c'est pas impossible qu'on le revoie. Bah, vu qu'elle a récupéré en plus l'ombre de sa sœur, et qu'elle est à fond là-dedans, de toute façon, elle se prête au jeu des tests. C'est écrit, donc... Oui, forcément, on les reverra. J'ai bien aimé Odette aussi, dis-moi. La patronne chaotique du jeu. Elle est trop bien. Oui. La madame... Dominatrice, c'est tellement bien. J'ai vraiment une toute petite dame blonde avec un petit fouet, là. Elle était géniale. Avec une voix un peu grave, parce qu'elle a trop fumé. Enfin, je l'imagine vraiment comme ça, quoi. Avec ses gants, parce que tu sais qu'elle a des gants en métal avec des griffes. Là, fin. Le tableau est complet. Bon, mais il y avait une galerie de personnes assez rigolotes, globalement. Mais même Salt, au final, le méchant, il est quand même très très bien fichu aussi. Ouais. Hein. C'est tellement méchant Gotham, par contre. Ouais. Fouli, lui, complètement. Ah, complètement, ouais. C'est vraiment l'archétype du méchant milliardaire, quoi. Ah ouais. Mais après, voilà, ce qui est, c'est qu'il y a un peu d'humour aussi, tu vois, parce que t'as genre des petites phrases, genre un moment où elle est bourrée dans un bar, là, enfin, en soi, moi je suis pas fan de ça, mais où tu te dis qu'elle danse avec deux papis. Je sais pas si vous vous rappelez. Mais oui, Et qu'en partant, elle envoie un bisou au papy. Oui. Au papy. Qui le rattrape. Et qui te dit. Elle est trop contente d'ailleurs. Qu'elle est très satisfaite que le papy des petits trucs comme ça, et que pareil, quand elle met le gros bordel à la réception de Salt, c'est son copain José là qui l'a fait entrer, et qu'en fait tu vois qu'il y a un autre serveur qui est en train de lui dire mais c'est pas ta copine, un truc comme ça, et t'as juste une phrase, José attrapa un petit four et le porta à sa bouche, juste pour te décrire le flegme du mec, tu vois, du coup. Donc ça c'est sympa aussi, t'as toujours un petit peu d'humour par-ci par-là. C'est pas forcément dans les... Parce que Charlie, évidemment, comme elle est badass, ils ont voulu lui faire des répliques badass. Et c'est pas forcément ça qui est le plus... C'est pas forcément ces répliques qui sont les plus drôles, en fait. Mais voilà, t'as des petites notes comme ça, par-ci, par-là. Pareil, voilà, comme avec cette capacité, en peu de mots, de très bien dépeindre les choses, je trouve. Ça, c'est un des points forts de... Son style est très simple, mais ça, c'est quand même un des points forts, je trouve. Ouais, elle sait bien écrire, elle sait bien nous plonger dans son monde. Par ces petits détails, c'est ce que tu disais, et ça fonctionne vachement bien, quoi. Ça nous fait sourire, ça... Ouais. C'est pas mal. D'ailleurs, je sais pas si vous avez eu ça dans votre édition, mais moi, à la fin du mien, j'ai des contes qu'elle a écrits. Ah non, moi j'ai rien. Et j'ai un chapitre 1 annexe.
sur le point de vue de Vince, enfin Red, quand il se fait retrouver sous le pont. Énorme. Vous avez vu ça ? Alors moi j'ai un chapitre, enfin un pseudo chapitre de 2 pages qui s'appelle The Girl with Three Shadows. Mais c'est tout. Et c'est un espèce de conte du coup. Ah oui, je l'ai, ouais. J'ai 2-3 contes. Et c'est ce que j'aime bien avec Holly Black, c'est que dans Le Prince Cruel aussi, elle avait fait tout un livre à la suite de la saga sur des contes de ce monde-là. Et je trouve que les contes de fées, elle les raconte vachement bien. Il y a 2 contes et le premier chapitre alternatif. Oui. Pardon, vas-y, continue, je poserai ma question après. Okay. Et le chapitre alternatif, du coup, c'est quand Red il est retrouvé inconscient sous le pont. Et en fait, il va être emmené à l'hôpital et tout. On va l'interroger, la police va être sur l'enquête. Et il va sortir, de l'hôpital. Et il y a une journaliste qui va l'emmener manger pour faire un article, etc. Lui, il refuse de lui donner quoi que ce soit comme information. Il lui demande de le déposer par là. Et en fait, c'est là où il va rencontrer Charlie, parce qu'il va rentrer dans le bar. Et du coup, on retourne sur le fameux moment où ils se rencontrent tous les deux. Mmh. Ouais. Je sais pas trop pourquoi elle a mis ça, parce que c'est vraiment en toute fin de livre. Mais dans le livre lui-même, en plus, on sait pourquoi il va dans le bar pour rencontrer Nightsing et finalement, il se rapproche aussi de Charlie, histoire d'avoir l'air un peu plus normal. Bah oui. Ça marchait très bien comme ça, donc c'est marrant qu'elle ait. Après, apparemment, elle dit qu'après, dans les remerciements, elle a l'air de dire qu'elle a beaucoup eu de faux départs sur le bouquin. Donc, est-ce que c'était un de ses faux départs et que du coup, elle a décidé de ne pas le garder, mais qu'elle a quand même voulu le mettre parce qu'elle trouvait ça intéressant, le point de vue de Vince, c'est possible. Est-ce qu'il n'y est pas en anglais, parce qu'elle voulait peut-être pas qu'il y soit dans la version anglaise, mais qu'ils l'ont quand même mis dans la version française. Ouais, peut-être qu'ils l'ont mis dans d'autres versions anglaises. Hein. Je pense que maintenant, ils font vachement ça, hein, de mettre des espèces de chapitres dans des versions exclusives, dans des versions luxe avec des jaspages, machin. C'est quand même un truc... Pour qu'on achète d'autres éditions, parce qu'il y a le nouveau chapitre du point de vue du monsieur, généralement. Ouais, c'est ça. Ouais. Il sonne de plus en plus. Et alors ça aussi... On va tout réécrire du point de vue de l'homme. C'est un truc qui est assez récurrent. C'est vrai que ça arrive souvent. Mais du coup, pour en revenir au conte, j'ai beaucoup aimé le passage du conte avec le monsieur dans son... Ouais, le pseudo Andersen, là où il est en Suède, machin, et il raconte l'histoire de cet homme qui avait une ombre et qui finalement échange sa vie avec celle de son ombre parce que son ombre le manipule, plus ou moins. Et je trouvais ça super bien écrit et en plus ça disait quelque chose de l'univers, ça disait quelque chose de ce qui allait se passer, mais sans être direct non plus. Enfin, c'était très bien fichu. Enfin, Ouais. Et en fait, moi, c'est ce que j'avais demandé tout à l'heure si c'était un vrai conte d'Andersen. Donc, je suis allée voir entre temps sur Internet. Okay. Et apparemment, ouais, c'est un vrai conte d'Andersen. Ah oui. Ouais. Je pensais que je me suis demandé parce qu'en même temps qu'on discutait là, on parlait des contes. Je me suis comme tu disais qu'elle aimait bien faire des contes et qu'elle les écrivait bien. Je me suis demandé si elle n'avait pas inventé un conte d'Andersen puisque les crépusculiens dans le roman, ça remonte quand même à quelques années. Et en fait, sinon, c'est un vrai conte d'Andersen, apparemment. Ok. Donc, c'est bien tombé. Ça, c'est cool. Est-ce que c'est ça qui lui a donné l'idée, ça se trouve ? Je sais pas. C'est pas impossible. Bon, je pense qu'elle l'aurait dit, ça avait été ça, à la fin. Mais ouais, non, ça marchait très bien. Ouais, est-ce qu'il y a des trucs que vous avez hâte de voir dans la suite quand même ? Parce que là, on était en mode j'ai peur que ça fasse très très romance machin. Est-ce qu'il y a quand même des choses qu'on voudrait voir ? Mais moi, s'il y a d'autres Fury, du coup, je serais curieuse de voir. Est-ce que le rapport aux Fury va changer du coup du fait de l'existence de Vince et de l'implication de Charlie dans la cabale ? Et est-ce qu'il y a d'autres Fury comme Vince ?
Moi, je suis assez curieuse de voir plutôt cette partie-là. Et voir comment Poddy va se débrouiller aussi avec son ombre, éventuellement les études aussi de son copain. Dont j'ai oublié le nom, d'ailleurs. Vous vous souvenez de son nom? Je sais plus. Non, je ne sais plus. On le voit tellement peu en même temps. On le voit à peine. Je pense un truc genre Michael ou un truc très très basique. C'est vraiment ce que j'attends le plus aussi, le nouveau duo. Comment elle va chasser les Furies, est-ce qu'elle va vraiment les chasser? Et comment elle va impacter aussi sur la cabale? Parce que bah, ça reste quand même Charlie, quoi. Ouais. Mais d'avoir plus sur la cabale aussi, parce que moi, le peu qu'on les a vus, je les ai trouvés assez cool. Ouais. Pareil, c'est intriguant. Et moi, en fait, j'aimerais bien qu'elle essaye de de manipuler la cabale, mais qu'elle se rend compte à la fin que finalement, c'est pas une bonne. Enfin, que c'est des gens bien, ou enfin, tu vois, qu'elle se retrouve un peu prise à son propre jeu de manipulatrice, où, en fait, il y a des gens qu'on n'a pas envie de manipuler, et qui. Enfin. Parce que là, vraiment, on la met sur un piédestal de manipulatrice. Ouais. Regardez comme elle est trop forte. Donc, déjà, j'aimerais bien qu'elle se fasse manipuler. Mais par des gens gentils. Enfin, Qu'elle évolue. Et qu'elle évolue dans ça. Ouais. Pas toujours répéter les mêmes schémas. Et que ce soit pas toujours Charlie contre le reste du monde. Et finalement, elle est toujours plus maligne. Et les autres sont toujours plus mauvais. Quoi. Ouais. C'est ça, parce que là c'était super cool, la fin elle est vraiment elle est trop forte et tout, t'es trop content, mais si c'est à chaque fois pareil ça va être lassant. C'est vrai que ce serait pas mal, ça serait une bonne évolution du personnage en plus. Carrément. Et du coup, je suis en train de repenser à une scène que j'avais complètement occultée avec Raven, ça vous parle? C'est cette femme noire avec les longues tresses là, et qui a des cheveux qui sont comme du feu, et qui est, c'est une retailleuse, je sais pas comment ça s'appelle, les gens c'est un peu les tatoueurs, mais pour mes versions ombre, quoi, pour les ombres. Et qui explique un peu comment ça marche aussi pour pas que ton ombre elle prenne trop d'autonomie par rapport à toi, qu'il faut lui donner que ton propre sang, et qu'il faut pas, j'ai pas trop compris par contre, j'en profite pour demander pourquoi elle mangeait les ombres. Est-ce que vous avez compris? Pour réabsorber l'énergie. Oui, elle fait. Ah, mais oui, elle a des espèces de fœtus. Enfin, moi, j'ai visualisé ça comme les fœtus dans Game of Thrones. Tu sais, là, les avec Célise et ses bocaux. Là, elle a des bocaux d'ombre. Je les ai visualisés comme les bocaux de Célise. En plus, ça leur donne. C'était un peu glauque. Il faut donner que ton propre sang à ton ombre, du coup, pour qu'elle te reste attachée. Et elle donne son sang à des ombres errantes. Après, le côté ombre errante était hyper cool, j'ai trouvé, par contre, avec leur petite gamelle de sang, là, et tout ça. Ouais. J'ai pas compris, du coup, pourquoi elle faisait ça. Et j'ai pas compris pourquoi elle les mangeait. Voilà. Moi, je me suis dit que c'était pour pouvoir, après, faciliter son retaillage derrière. Ouais, pour alimenter son pouvoir. Pour alimenter son pouvoir, et qu'elle puisse en fait, globalement, donner une nouvelle ombre, une des trucs qu'elle a mangé, qu'elle la donne à quelqu'un d'autre Ses ressources à elle, s'empiler dans ses ressources à elle. Enfin, parce qu'il parle pas d'un truc comme ça, à un moment que les retailleurs, à force, ils donnent de leur propre ombre à chaque fois. Ouais. Il n'y a pas une histoire comme ça qui recouse avec leur propre ombre. Si, c'est ça. Et que du coup, ils perdent à chaque fois un peu de leur ombre. Il y a un truc comme ça à un moment aussi. Ils donnent un peu d'eux à chaque fois. C'est ça. Ouais. Ah, c'est peut-être pour ça, du coup, qu'elle l'a mangé alors. Du coup, elle récupère des nouvelles ombres pour avoir plus. Parce que c'était pas très clair pour moi, ça. Ok, ouais, c'est ça. Merci. Il y a ce passage aussi auquel je pensais plus, mais qui était pareil, c'était assez cool comme passage, je trouve. Ouais. Et d'ailleurs, elle, j'aimerais bien la revoir. Raven, mais peut-être qu'on la reverra, parce qu'elle était partie de la cabale aussi. On la voit à la fin, ouais. Donc, elle était discrète, mais on la voit à la fin, ouais. Mais ils sont assez classe, hein, d'ailleurs, les membres de la cabale qu'on voit plutôt à la fin, là. Déjà, ils sont assez justes, finalement, dans leur jugement. Et en plus, leurs ombres sont trop classe, quoi. Mais ouais, carrément. L'ombre féline. Ouais, c'est pour ça qu'on aimerait limite les voir adaptés, quoi. Ouais. Parce que franchement, ça rendrait un truc trop classe. Les pédants. Mais j'irais faire fouiner là. Je suis sûre que les gens ont fait des fanarts de folie sur les ombres.
J'irai voir ça. Mais ouais, non, ça marcherait très 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 bien à la télé. Hein, ça. Ouais, carrément. Mais je crois que Hellbent, c'est en... C'est en... Il y avait un projet d'adaptation, si je dis pas de bêtises. Du coup, si ça se trouve, comme c'est un peu dans la même veine, s'il y en a une qui marche, ça pourrait faire... Bah, tu vois, quitte à faire, je préférais voir celle-là adaptée que Ninefouse et Hellbent. Parce que Ninefouse, il y a moyen que ce soit très très kitsch. En plus, c'est vraiment... ça joue énormément sur les émotions des personnages. Ouais. Et je... à l'écran, c'est difficile. Il faut vraiment... Enfin, ça peut vite être casse-gueule. Tu vois, je pense que ce livre-là, paradoxalement, serait beaucoup plus popcorn et beaucoup plus fun à regarder que Ninefouse et Hellbent. Je sais pas, tu vois, je pense que ça, le livre restera mieux, quoi. Ce sera beaucoup. C'est plus lourd en termes d'ambiance, et puis il y a des trucs qui passeraient pas hein, dans des genre imagerie infernale. Un gros truc du tome 2, j'en parle pas parce que les Lady Lou, je crois que tu les as pas lus, donc je veux pas. Non. Mais qui passerait très très mal visuellement. Qui passerait très très mal visuellement. Non, puis il y a des scènes que je veux pas voir non plus, même du tome 1, hein, franchement, des trucs. Non. Alors que là. Par contre, moi, c'est cool, j'aime bien, par contre. Ça m'intrigue. J'ai un peu moins aimé le tome 2, mais... Pareil. J'attends toujours le tome 3 avec grande impatience. Pour le coup, je trouve que le tome 1 aurait pu être presque un one-shot. Ouais. C'était un peu dans la même dynamique que... On y revient, mais c'était un peu dans la même dynamique que le livre de la nuit, où finalement, tu as un événement qui te laisse une porte de sortie vers un tome 2, mais en soi, l'intrigue du tome 1 était résolue, quoi. Ok. Ça, c'est cool, en vrai. Donc... ça aurait presque pu, et ça aurait limite plus pu rester comme ça que presque que, mais c'est un peu les mêmes enjeux finalement. Ouais. En fait. Donc, tu nous diras si tu le lis, ça t'a plu. Ouais, ouais. Bah, je pense que ce sera l'une de mes prochaines lectures parce que vu que j'ai le livre de la nuit à chaud, j'aimerais avoir un peu le comparatif des deux. Ça reste un peu dans la même dynamique, du coup. Ouais, la même ambiance. Tu verras si tu es d'accord avec nous sur le fait que c'est plus lourd aussi en termes de. Je vous dirais, ouais. Ambiance carrément. Et de psychologie, de. Le bagage des personnages aussi. Ouais. Et ça vaut également pour tous nos spectateurs, hein, parce que évidemment, on a des topics sur le forum, donc vous pouvez venir sur le forum de la Garde de Nuit pour nous dire ce que vous en avez pensé, que ce soit de ce livre-là ou de Libard du coup. Laissez un petit commentaire ou un petit emoji si vous regardez le replay sur YouTube. Mais oui. Mais quel emoji d'ailleurs ? Parce qu'y a-t-il un emoji ombre ? Je ne crois pas. On va passer notre temps à écrire au grand patron des émojis. Il n'y a pas de corbeau, il n'y a pas d'ombre, il n'y a pas de gargouille, s'il vous plaît, faites quelque chose. Si, il y a un corbeau, je crois, maintenant, non ? Il n'y a pas un corbeau. C'est pas un merle, parce qu'il a le bec jaune. Ah, c'est peut-être un merle, ouais. Oh, d'ombre. Et du coup, je sais pas. Il n'y a pas d'ombre. Il n'y a pas d'ombre. Qu'est-ce qu'on pourrait faire ? Un verre d'alcool, tu trouves ? Ça marche. Hein. Ça marche. Et une goutte de sang pour aller avec. Voilà, un petit verre de cocktail et de sang. Ouais, un verre de cocktail et du sang. Voilà. Et ben, si vous nous avez écouté jusque-là, n'hésitez pas à commenter sur YouTube. Nous, ça nous aide énormément, en fait. Hein. Évidemment, n'oubliez pas la beauté des réseaux sociaux, c'est que plus vous commentez, et plus la vidéo sera ensuite partagée sur YouTube pour que d'autres puissent la voir. Donc vraiment... ça vaut évidemment pour la Garde de Nuit, mais pour tous vos créateurs favoris, pensez à commenter et commenter gentiment quand ils font des trucs que vous aimez, parce que après sinon tu te retrouves avec des cargaisons de gens haineux de temps en temps, ouais. Et c'est un peu triste parce que vous avez le droit de passer votre chemin si vous n'aimez pas aussi. Oui, c'est ça, personne ne vous aime. Vous n'allez pas dans la rue cracher sur Kefelsper, comme vous n'allez pas dans la rue faire des remarques désagréables aux gens. Le principe peut être un peu le même sur Internet. Oui, personne ne vous a obligé à écouter jusque-là, donc c'est pas grave. On peut être en désaccord avec tout en étant civil, il n'y a pas de problème. Ouais. Si vous avez regardé cette vidéo sous la contrainte d'un membre de votre entourage. Ajoutez un emoji Lucifer à votre commentaire. Hashtag Lucifer. On enverra la cavalerie pour vous sauver, vous inquiétez pas. Ouais. Hashtag Free Lucifer. Et
Non, mais je pense qu'on a fait le tour. Oui, je pense aussi. C'est un Twitch plutôt rigolo pour un bouquin qui s'appelle Le Livre de la Nuit. Oui, c'est fun. Oh, mais c'est un bon livre d'Halloween en plus. Oui, c'était parfait. Ouais, c'était parfait pour l'ambiance. Mmh. Carrément. N'hésitez pas à le lire avant qu'on passe dans le mode Christmas là. Vous avez encore un petit peu. Ce sera plus adéquat. Non. Non. C'est le bon moment. Bon. Mais du coup, sur ces bonnes paroles, on vous donne rendez-vous le 19 pour parler de Nous de Christelle Dabos. Et le 26 pour parler du Seigneur des Anneaux. Et puis bah, en attendant, rendez-vous sur la garde de nuit, rendez-vous que ce soit sur le forum, sur nos réseaux sociaux. Et on vous fait des gros bisous en attendant. Merci de nous avoir écoutés. Ciao. Merci beaucoup. À bientôt. Salut.